Salut tout le monde. Donc j'ai fait des notes, j'ai pris des notes pour cette vidéo parce que voilà. Je viens vous parler aujourd'hui d'un acteur qui a bercé mon enfance. Il s'agit de Monsieur Bruce Willis. On le connaît, bien sûr. Die Hard, Le Sixième Sens, Armageddon, d'ailleurs que j'ai regardé tout à l'heure. Ou encore Le Cinquième Élément. J'ai été très attristée. Ah, oh, ça va être plus rapide. Je vais faire rapide, hein, on connaît. Les paparazzis, c'est des gros cons. Bon, pas besoin de lire. Les paparazzis, vous êtes que des gros cons. Vous adorez quand quand les gens ont mal, hein. Que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est pareil de toute façon. Je trouve ça dégueulasse et immoral ce que vous faites. Donc cette vidéo, elle est en soutien, comme dans d'autres vidéos que je fais. Moi, je trouve ça dégueulasse de demander. Ça c'était presque ce que j'ai lu. De demander à quelqu'un qui ne peut malheureusement plus aligner deux mots. La phrase dans le film Die Hard. Ou alors le forcer, genre. Enfin, le forcer, même pas genre, c'est le forcer à prendre des photos. Je sais pas, laissez-le tranquille. Vous ne vous mettez jamais à la place des gens, vous. Bref, je parle que des paparazzis, bien sûr. Faut pas mettre les fans, hein. Les fans, c'est pas pareil. Et même, justement, les fans respectent. Donc, je sais pas. Je suis presque sûre que dans la plupart. Je dis pas que les paparazzis, voilà. Mais je suis presque sûre que la plupart de vous êtes fans aussi. Parce que c'est impossible de ne pas passer devant un film de Bruce Willis et de ne pas l'avoir aimé. Donc, laissez-le tranquille. S'il vous plaît. Parce que quand j'ai lu ce qui avait marqué, ça m'a tellement. Ça m'a choqué, un truc de dingue. Ça m'a tellement choqué. Je sais pas, être obligé que sa famille supplie les paparazzis de le laisser tranquille. Je sais pas quoi. Ok, ça a été une immense star. Mais voilà, maintenant, malheureusement. Ça sera toujours une immense star. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, c'est sûr que quand on voit des films au cinéma, enfin, il n'y en a plus malheureusement maintenant. Mais peut-être que dans quelques temps, ils remettront, je pense, des films. Ça serait pas mal, justement. Bon. Parce que ça se fait, hein, des fois, ils remettent des films. Voilà. Comme un autre film, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Bref, là, on parle de Willis. Donc voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà. Je sais pas, vous avez des enfants? Si les paparazzis ont des enfants, ils doivent se dire que. Je pense qu'il y en a qui en ont. Donc, qu'il a des enfants, 5 filles.